Ce jour-là, je venais d'avoir 10 ans et je revenais de l'école avec ma sœur Véronique. Arrivés devant la maison, nous avons aperçu quelques voitures de grand style ainsi qu'une présence policière. En poussant la porte de la rue qui donnait directement dans le salon, nous avons été très surpris. Mes souvenirs sont confus, mais je ressens encore cette forte impression que nous eûmes en découvrant, assis, un grand cercle de Chinois en discussion avec notre père. Les Chinois présents dans la maison familiale, c'était une délégation officielle menée par le tout premier ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique, son Excellence l'ambassadeur Lilian Bi. Après une visite d'État menée auprès du bourgmestre et des autorités de la ville de Liège, après une réception arrosée au champagne et un dîner au restaurant Le Vieux Liège, celui-ci avait tenu à mener une visite plus intime dans notre maison familiale. La première chose que fit l'ambassadeur en arrivant chez nous fut de demander où étaient les toilettes et de monter 4 à 4 les escaliers pour se soulager. Après être descendu, entouré de son équipe, il tint une réunion avec mon père à qui il offrit un cadeau, le livret d'un opéra révolutionnaire sur lequel il fit une dédicace. C'était un lundi, le lundi 23 octobre 1972 très exactement. I now give the floor to the chairman of the delegation of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Chiao Kuan-hua. Un an auparavant, la Chine, la grande Chine populaire, avait été enfin admise dans le concert des nations et avait intégré l'ONU. Près d'un milliard d'êtres humains ne pouvaient rester officiellement ignorés plus longtemps du reste du monde. Et pourtant, il a fallu plus de 20 ans pour que les Nations Unies reconnaissent l'absurdité de cette fiction qui faisait siéger au nombre des 4 grands la province chinoise insulaire de Formose et qui déniait à l'immense Chine continentale son droit à une juste représentation. Et quelques mois plus tard, l'ambassadeur de Chine ainsi que sa suite étaient reçus par le roi, invités par le bourgmestre de Liège, puis débarqués chez nous. C'est à peu près au même moment que je pris réellement conscience de mes racines chinoises et je me souviens, à l'école, avoir montré à mes condisciples, avec fierté, une grande carte de Chine que je venais de réaliser de mes propres mains. Cependant, à cette date, ni mon père ni personne en Belgique ne savaient alors ce qu'était devenu son propre père et ce qu'avait bien pu se passer en Chine quelques années plus tôt. J'ai donc grandi sans rien connaître de mon grand-père, auteur en partie de mon existence en Belgique. Des lettres, les siennes, redécouvertes il y a peu, quelques photographies, quelques vagues souvenirs de mon propre père. Mais rien de suffisamment clair pour révéler son visage de la brume. Qui était-il? Comment? Pourquoi est-il venu en Europe? Quels étaient ses rêves? Il y a peu, je partais alors à la recherche des traces de Yu Bin, en France, en Belgique, prêt à confronter les réalités de l'histoire à l'imaginaire chinois de mon enfance. Je poursuivais ainsi ce voyage qu'avait alors fait Georges, mon père, en 1987, année où il fut envoyé en Chine par la télévision belge. Pour la première fois de sa vie, il s'était rendu dans le pays de ses ancêtres, dans le pays de son père. Au fond, l'un et l'autre, lui comme moi, étions dans une même recherche. Comme un songe, mon imaginaire chinois,
mes souvenirs d'enfant, le fil de ma mémoire. Un chemin, mon chemin entre clair et obscur de mes émotions anciennes. Un regard en arrière, un regard en avant. La Chine a nourri ma jeunesse, ma vie d'adulte. Images et émotions en tout genre, issues de l'histoire réelle ou des clichés véhiculés par l'imaginaire collectif. Je me souviens des livres qui traînaient à la maison. Ceux de l'historien américain Edgar Snow, proche des révolutionnaires chinois. Ceux de Ran Suyin, le grand écrivain belgo-chinois. Je garde les traces, dans ma mémoire d'enfant, du nom du grand documentariste ami de la Chine, Joyce Evans, qui fut un proche de mon père. Je me souviens des publications qui parsemaient le bureau paternel. Pékin Information, ou le magazine La Chine, faisait partie de ce courrier régulier qui éveillait ma curiosité, en même temps qu'un sentiment diffus d'appartenir à une aventure exaltante. Je me souviens encore du fameux petit livre rouge du président Mao, qui faisait partie des meubles. Je l'ai lu adolescent, avec des yeux d'adolescent, fier de découvrir l'un des livres sacrés du siècle dernier, et convaincu également de transcender, avec mon père, un certain conformisme social. Je me souviens enfin du cerf-volant du bout du monde, ce beau film poétique franco-chinois de la fin des années 50, qui mettait en scène des enfants de Montmartre, des enfants de Pékin, une amitié naissante et l'espoir d'une paix universelle. Oh, ce qui est écrit est vraiment très gentil. C'est vrai? Le début, c'est une très jolie poésie. Je confie ma lettre à ce cerf-volant, à mon ami Sun Wukong. Et mon cerf-volant, je le prête au vent. Au vent des matins et des soirs, au vent des voiles, demain tu souffleras peut-être sur le visage d'un enfant qui, je ne sais où dans le monde, trouvera ce cerf-volant porté vers lui par un vent amical. Et puis j'ai retrouvé plus tard une vieille photo dans les caves de la maison de mon père. Une famille chinoise, de type classique, pose devant l'objectif. Des jeunes, des moins jeunes, c'est ma propre famille chinoise. La dame avec les petits pieds bandés, les pieds de lys, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Autour, mon arrière-grand-père, des oncles et tantes de mon père. Et puis il y a un homme qui porte des lunettes et la moustache, avec la panoplie du parfait mandarin chinois. C'est mon arrière-grand-père, Yu Huandong. Celui-ci a participé, au début du XXe siècle, à la chute de l'Empire Qing et à l'avènement de la première République chinoise. Fin XIXe siècle, la Chine est un pays occupé, colonisé par les puissances occidentales. La plus vieille civilisation du monde est réduite à l'état de vassal par le capitalisme européen. L'Occident s'enrichit aux dépens du peuple chinois, déjà trahi par les renoncements de la dynastie Mandchou. L'Empire, traître et incompétent, doit tomber. Les révoltes succèdent aux révoltes. Les défaites succèdent aux défaites. En 1900, les boxers insurgés contre l'empereur sont impitoyablement écrasés. À cette époque-là, mon arrière-arrière-grand-père, homme très pauvre, est marchand ambulant. Il n'eut qu'un seul fils, Yu Huandong, et désira pour lui, en dépit de sa grande pauvreté, qu'il fasse de grandes études. Élève intelligent, travailleur, ce dernier finit par épouser la fille de son professeur, ma future arrière-grand-mère. Par ailleurs, impliqué depuis longtemps dans les mouvements étudiants patriotiques, il est parmi les premiers républicains chinois, aux côtés de Sun Yat-sen, futur président de la première république de 1911, et d'autres jeunes militants révolutionnaires, il contribue intensément à la chute de la dernière dynastie chinoise.
Honoré, décoré peu après par la Révolution triomphante, il prit une photo de sa mère, mon arrière-arrière-grand-mère, portant collier bouddhiste, et qu'il avait décoré de ses propres médailles afin de lui rendre hommage. Quant à cette photographie, prise à Changsha vers 1920, elle fut envoyée à Yubin, mon grand-père, fils aîné de Yu Ruandong, alors qu'il venait d'être envoyé en Europe pour y accomplir des études. Âgé de 17 ans, mon grand-père venait d'accomplir un très long voyage jusqu'en France qui, à cette époque-là, était d'un attrait vivace pour les fils de lettrés qui rejetaient les vieilles traditions chinoises. C'était peu après la Première Guerre mondiale, cette boucherie entre peuples montée par des oligarques princiers ou financiers sur fond de rivalité coloniale. Pourtant contributrice à la victoire, la Chine avait été maltraitée lors du congrès de Versailles, puis dépouillée d'une partie de son territoire au profit du Japon. En colère, le 4 mai 1919, la jeunesse chinoise avait soulevé une véritable tempête de protestations à travers tout le pays. Une fois de plus, l'Occident avait semé, comme en d'autres parties du monde, les germes de guerre et de conflits à venir. Yubin avait donc quitté Shanghai en 1920. Il avait fait un voyage de plusieurs semaines sur le Portos, paquebot bien connu des messageries maritimes. Il y fut très certainement aux côtés de Chou Enlai, futur dirigeant de la République populaire de Chine, arrivé en France au même moment, sur le même bateau, avec 96 autres étudiants chinois. Au cours des escales, il dut y subir la discrimination des maîtres. Dans les colonies françaises ou britanniques, les Chinois sont systématiquement humiliés. C'est à ce moment-là, racontera plus tard Chou Enlai, que nous nous sommes rendus compte que l'on nous considérait comme des êtres inférieurs. Les étudiants sont accueillis par le comité d'éducation franco-chinois, puis répartis un peu partout en France. Marseille, Paris, Montargis, Villefranche-sur-Saône ou Rennes sont ainsi au nombre des étapes connues du voyage de mon grand-père. Près de 3000 étudiants chinois arrivèrent ainsi en France, réputée terre de révolution et de liberté. Yubin participait au mouvement Travail-Études, une association progressiste qui entendait permettre à de jeunes Chinois peu fortunés de faire des études de qualité en France. Le mouvement Travail-Études fut également une école de révolutionnaires. Il compta parmi ses membres un brillant groupe de jeunes intellectuels proches de Mao Tse-Tung, futur leader de la révolution chinoise. Ce groupe s'installe à 100 km de Paris, dans la petite ville de Montargis. Au nombre des étudiants, Yubin y croise à nouveau Chou Enlai et d'autres futurs dirigeants de la Chine populaire. On y parle réformisme, anarchisme ou communisme au cours de prises de parole houleuses. Le mot d'ordre est « sauver la Chine, sauver le monde » et Montargis devient un véritable berceau de la Chine révolutionnaire à venir. Ainsi, Yubin, comme les autres étudiants chinois, fut pris dans les tourmentes idéologiques et les espoirs révolutionnaires des années 20 du siècle dernier. Cependant, la plupart des étudiants chinois devaient travailler pour payer leurs études et pourvoir à leur simple existence, en usine bien souvent. Engagés comme apprentis, mis en concurrence avec les travailleurs français, ils reçoivent la moitié du salaire d'un ouvrier moyen.
En 1921, le mouvement Travail Études disparaît, victime de malversations financières. Aussi la création, peu après, de l'Institut franco-chinois de Lyon agira comme un détonateur. Les étudiants sont désormais triés sur le volet. Des examens d'entrée sont établis et seuls ceux pourvus de ressources financières suffisantes sont admis. L'Institut, tenant fiches et dossiers, veille également à écarter irrémédiablement les étudiants considérés comme politiquement dangereux. L'Institut est officiellement inauguré au mois de septembre et suscite immédiatement la colère des jeunes étudiants chinois. Le 19 septembre, 100 jeunes chinois, étudiants, ouvriers, chômeurs, venus de la région parisienne, marchent sur Lyon. Leur but, investir puis occuper l'Institut franco-chinois. Des tracts sont rédigés puis distribués à la population lyonnaise. Les jeunes chinois en appellent à la solidarité des citoyens français. Mais la police intervient, libère les lieux et enferme les rebelles au fort Montluc. Des expulsions hors de France, nombreuses, plus d'une centaine parmi les étudiants ouvriers les plus actifs ont lieu dans la foulée. Plus que jamais abandonnés à leur propre sort, régulièrement victimes de racisme, les étudiants ouvriers voyagent alors beaucoup. À la recherche de conditions d'existence moins mauvaises, ils vivent chez des compatriotes, des amis, et développent des solidarités vitales bien connues aujourd'hui encore par toutes les populations immigrées du monde. Un grand nombre de ces jeunes Chinois tombèrent dans l'escarcelle des chrétiens, par ailleurs très anciennement présents en Chine, que l'Église considérait comme importante terre de conversion. Ils trouvèrent auprès de celle-ci une écoute, une aide, plus ou moins sincère. En tout cas, la hiérarchie catholique sut bien vite comment agir pour sauver des âmes en péril, menacés par des pensées teintées de marxisme et de communisme agissant. Parmi ces chrétiens, il y eut le père Leb, un prêtre belge installé en Chine peu après la guerre des Boxers et qui avait été rappelé en Europe par les autorités religieuses. À force de vivre parmi les Chinois, celui-ci avait fini par les prendre en véritable affection. À tel point qu'il finit par porter le nom de Lei Mingwan, le tonnerre qui chante au loin, puis par obtenir la nationalité chinoise. En ce début des années 20, le père Leb s'occupe d'une multitude d'étudiants chinois installés en France ou en Belgique. Il les accompagne financièrement, moralement. Yubin est l'un d'entre eux. Et la correspondance que j'ai pu retrouver entre le prêtre belge et lui-même atteste bien d'une relation à la fois sincère et empreinte d'intérêts plus ou moins entendus. Monsieur Lei Mingyuan, je vous remercie vivement d'être d'accord pour me trouver une école. Je me trouve dans une situation très difficile, car je manque de quoi vivre. Pour l'instant, le froid me rend encore plus soucieux, plus inquiet. Comme je n'ai pas d'économie, j'ai dû travailler à Paris. Je suis en France depuis quelque temps, mais je cours toute la journée pour gagner ma vie. Votre aide serait pour moi une grande bénédiction. Comme beaucoup d'immigrés récents, mon grand-père parlait mal le français et dut se résoudre à être envoyé, début 1923, dans une école de Rennes, le collège Saint-Vincent, pour y apprendre la langue. Monsieur Mingyuan, hier soir, je suis arrivé à Rennes. Ensuite, je me suis rendu immédiatement à Saint-Vincent avec mes amis. Au moment où nous sommes arrivés à l'entrée de l'école, nous avons rencontré le directeur. Je lui ai remis votre lettre de recommandation et le directeur m'a fait rentrer tout de suite avec mes bagages. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mon père, je suis très bien à Rennes, mais l'école est très stricte.
l'interdiction de fumer m'a été difficile. S'il avait une petite pièce qui me permettrait de me soulager l'esprit, ce serait bien, mais le directeur n'est pas d'accord. Je vous jure que ce n'est pas parce que je ne vais pas à la messe. Le directeur ne m'a pas encore accordé un professeur de mathématiques. Or, j'ai vraiment besoin d'étudier. Auriez-vous la possibilité de lui parler ? Respect, mon père. Je suis ici depuis plusieurs mois déjà. L'organisation de l'établissement ainsi que les relations avec les autres élèves sont parfaites. Cependant, vu mon âge avancé, il m'est difficile de m'amuser avec les autres élèves beaucoup plus jeunes que moi. Serait-il possible d'écrire au directeur de l'école pour qu'il les m'autorise à ne pas sortir en excursion avec les autres enfants ? Cela ne pourrait que m'aider. De fait, l'Église préférait envoyer les jeunes Chinois dans des collèges, en dépit de leur âge, plutôt que dans les universités. Les premiers garantissaient un contexte chrétien, tandis que les secondes étaient vues avec méfiance par la hiérarchie catholique, car considérées comme lieu de tumulte et de contestation. Yubin resta de longs mois au collège de Saint-Vincent, dans des conditions difficiles. Par ailleurs, les problèmes d'argent et les questions matérielles faisaient partie de son ordinaire. Aujourd'hui, le comptable de Rennes me fait savoir que vous avez des dettes qui s'élèvent à 14 francs. Si vous ne pouvez pas payer tout de suite, il vaut mieux leur expliquer, par lettre, la raison du retard. Lei Ming Wan. Mon père, le temps passe et j'attrape des cheveux blancs. Ici, tous les jours, je n'entends que le bruit des enfants. Vu mon âge et le fait que j'étudie à l'école secondaire, je me sens humilié. Pardonnez-moi, mon père, de penser à changer et veuillez me présenter une université en Belgique afin de me permettre de consacrer toute mon énergie à l'étude. Si j'échoue, je rentrerai dans mon pays immédiatement ou me mettrai à votre service. Mon père, vous m'aviez recommandé de faire mes études ici. Malheureusement, mes souffrances sont fréquentes. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter les lieux le mardi 25 pour Paris. Yubin finit par rompre avec le père Leb. Je n'en connais pas la raison exacte. On peut retenir en tout cas que le christianisme était de plus en plus ressenti comme l'outil du colonialisme. Le père Leb avait beau être sincère dans son amour de la Chine, il n'en était pas moins au service de l'Église, au service de l'Occident. De la ville qui pendant 6 siècles a été la capitale de l'Empire. Depuis la colonisation, les clichés les bantrains. Les vieux stéréotypes perduraient, que la Chine déchirée, occupée, n'avait pas encore réussi à démentir. La Chine se présente à l'étranger comme une terre immense, de nature extraordinairement diverse, alors que du nord au sud et de l'est à l'ouest, le Chinois reste immuablement pareil à lui-même. Cinéma. Images, livres et articles de journaux exprimaient souvent le complexe de supériorité de l'occidental face aux Chinois. Hélas, la maladie est entrée au village. Datsu, que ses dieux protègent, continue avec indifférence le travail de chaque jour. La crainte, l'angoisse n'habitent pas son esprit. Et pourtant, il faut venir. La maman vient d'être touchée. Même devant cette nouvelle, Tatsu ne s'inquiète pas. L'inquiétude qui guette toujours l'occidental est presque incompréhensible pour le Chinois. Car le Chinois connaît l'avenir. Tatsu sait que des guirlandes de pétards écarteront le démon. Politiquement soumis, les Chinois subissaient également le regard hautain des prétendus maîtres. Dépouillés de leur humanité, ils étaient dépeints tantôt comme laborieux, pacifique, patient, honnête, tantôt comme inerte, ignorant, inapte à se gouverner. À moins qu'ils ne soient décrits fourbes, cruels et sans pitié par la littérature coloniale, trafiquant clichés et idées toutes faites pour mieux servir la cause de l'Occident, sauveur suprême de l'humanité. Faire des études et les réussir, était donc pour les jeunes Chinois conscients de leur devoir
un enjeu fondamental. C'était un pari sur l'avenir, un choix pour la justice et la dignité. Fin mai 1925. Suite à des grèves ouvrières dans la concession internationale de Shanghai, l'une de ces parties de Chine occupées par des armées étrangères, un contremaître japonais tue un ouvrier chinois. S'ensuit une manifestation réprimée par la police et la soldatesque britannique qui tire dans la foule sans sommation. Il y a 12 morts. La colère explose. On appelle au boycott des produits britanniques et à des manifestations contre l'occupation de la Chine. Les troupes coloniales interviennent. Paris, juin 1925. Suite aux événements de Shanghai, la colère est grande parmi les étudiants chinois. Le 14 juin, un tract intitulé « Appel au peuple français et européen » est distribué en 12 000 exemplaires à la sortie des usines de Boulogne-Billancourt. En Belgique, en France, c'est la surchauffe, c'est la révolte. Il y a beaucoup de réunions et d'assemblées, dans le quartier latin notamment. Les membres du Parti communiste chinois et les militants du Kuomintang, le parti nationaliste, réunis en front commun, condamnent l'attentisme de Chen Yu, l'ambassadeur de Chine, face au massacre de Shanghai. Les jeunes chinois décident de forcer les portes de l'ambassade, échauffourées et interventions policières s'ensuivent. Arrestation, condamnation, puis traque des activistes clôturent momentanément cette mobilisation des consciences qui aura jusqu'en Chine des répercussions tangibles. Dans l'immédiat, en France, être militant politique chinois, de gauche de surcroît, devenait carrément dangereux. À cette date, un rapport de police indique que Yubin a passé la frontière et s'est installé en Belgique. Ce dernier serait entré en relation avec différents groupements chinois existant en Belgique, notamment dans le centre, où la colonie chinoise serait assez importante. Bruxelles, 15 juillet 1926. L'association des étudiants chinois appelle tous les compatriotes à une assemblée générale. 70 délégués y assistent, des étudiants, mais aussi des ouvriers et des commerçants. Le mouvement s'organise, interpelle le gouvernement, et exige l'abrogation de tous les traités coloniaux. Des manifestes sont rédigés puis adressés au peuple belge, aux amis belges ainsi que, adroitement, aux hommes d'affaires belges. On peut imaginer que les visites et conférences du révolutionnaire Chuen Lai à l'Université du Travail de Charleroi, où se trouve une grande communauté d'étudiants chinois, ont dû contribuer grandement à de multiples prises de conscience. C'est dans cet esprit que Yubin rédige, au nom de l'Association des étudiants chinois de Liège dont il est le secrétaire, le tract « Souvenirs sanglants » qui appelle à la mobilisation et salue la mémoire des victimes des tueries britanniques de l'année précédente. Nul n'ignore qu'au lendemain de la guerre anglo-chinoise de 1840-1843, sans le moindre prétexte apparent, hors celui de la cupidité et par la force, les puissances imposèrent des traités à la Chine. Pendant des siècles, le peuple chinois s'est gouverné lui-même, sans faire appel à aucune puissance. C'est pourquoi, à l'occasion de cet anniversaire, les étudiants chinois de Liège forment les vœux les plus ardents pour que les peuples s'unissent pour faire cesser la tyrannie anglo-japonaise sur leur malheureuse patrie et amener sur elle un rayon de paix qui puisse la faire rentrer au sein des peuples qui travaillent à la paix universelle, à la vraie fraternité. Quant à l'État belge, celui-ci n'était pas en reste et comme d'autres compatriotes, Yubin eut droit à son dossier de police. «
Monsieur l'administrateur directeur général de la Sûreté publique. Fin mai dernier, un sujet chinois s'est présenté à la firme Smiths et Brox, rue des Dominicains, pour y faire dactylographier un texte intitulé « Souvenirs sanglants ». D'après des renseignements recueillis discrètement par la police de Liège, le chinois Ofang Li, dossier 1372942, est désigné comme ayant fait imprimer cet écrit. L'auteur ne serait autre que le dénommé Yu Bin, dossier 1396277, célibataire, étudiant, inscrit en notre ville Place des Bons Enfants numéro 4 depuis le 13 août 1925. Monsieur le commissaire de police en chef, comme suite à votre rapport du 25 juin 1926, je vous prie de faire notifier aux nommés Yu Bin et Ofang Li qu'ils ne doivent pas perdre de vue la réserve que leur qualité d'étranger leur impose et que si par suite de leur attitude ou des écrits qu'ils répandent, une réclamation était adressée au gouvernement belge, leur autorisation de séjour sera immédiatement révoquée. Ofang Li, également connu sous le nom de Jean Ho, était étudiant. Et dans les notes de police, il est décrit comme ayant collaboré avec Yu Bin comme militant politique. C'est en dépouillant le dossier judiciaire de mon grand-père que j'ai relevé son nom. De fait, les dossiers se recoupent en partie. Mais le plus troublant est la présence, dans celui de Ofang Li, d'un rapport de police qui parle de lui avec éloge. Je puis vous assurer que la conduite de Jean Ho est exemplaire et qu'il nous a été très utile pour les poursuites exercées contre les membres d'une cellule communiste établie parmi les sujets chinois installés à Louvain. Mis à part ces trahisons avérées, Ofang Li eut pourtant un début de parcours semblable à celui de beaucoup de jeunes chinois installés en Europe, au sein desquels firent leur classe révolutionnaire Chou Enlai ou Deng Xiaoping. Tous deux futurs dirigeants de la Chine populaire. Bruxelles, octobre 1926. Le congrès des colonies chinoises en Europe appelle à une mobilisation pour le 27 à 14 heures. Rendez-vous est donné pour une manifestation et une distribution de tracts à la brasserie flamande devant la bourse. Le jour prévu, la manifestation déambule tranquillement dans les rues et les revendications de la population chinoise immigrée sont clamées dans le centre de la ville. Mais la police intervient brutalement. Il y a des blessés. 17 manifestants sont arrêtés. Parmi eux, il y a Yu Bin, mon grand-père. Emmené par la police, il est expulsé du pays. Il vivra un an d'exil en France, à Paris, muni d'un faux passeport, sous une fausse identité. Mais en compagnie de sa future épouse, Lambertine Mentiens, femme d'ouvrage d'origine flamande rencontrée peu avant chez un glacier de Liège. Monsieur l'administrateur directeur général de la Sûreté publique, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le nommé Yu Bin, qui a fait l'objet de votre lettre du 28 juillet dernier et qui a résidé en notre ville rue Surlet numéro 42, a quitté cette adresse depuis le 29 octobre sans faire connaître sa nouvelle résidence. On le croit en Allemagne ou en France. Après un an d'exil à Paris, mon grand-père est, en 1927, de nouveau admis en Belgique et se fixe à Liège. Soutenu maintenant par ma grand-mère paternelle, il sera l'objet d'une surveillance policière quasi permanente. L'année de son retour en Belgique, naît Georges, mon propre père. Des œuvres de Yu Bin avec sa maîtresse Lambertine Mentiens, telles que le rapporte un autre rapport de police.
Yubin fit 3 ans d'études à l'école polytechnique. Il y obtint le diplôme d'ingénieur électricien. Il pensait également entamer des études en sciences politiques, mais il fut dépassé par une situation financière et familiale pour le moins difficile. Une photographie de lui montre un homme que l'on devine accablé de soucis. Son ex-compagnon de lutte, Ro Fang-li, a sans doute fini par révéler son double jeu. Sa rupture avec le père Leb n'a pas arrangé ses problèmes matériels, et les événements de Chine ainsi que le devenir de sa propre famille restée au pays sont une source d'inquiétude permanente. Mon cher fils, je suis à la maison depuis 2 mois. Cette fois, je m'y sens vraiment triste. Ta grand-mère a plus de 90 ans. Elle est devenue aveugle. Ta mère, elle, crache du sang depuis 2 ans. Je voudrais m'occuper de ta grand-mère, de ta mère, et éduquer des frères et sœurs. Malheureusement, je n'ai pas d'autres revenus. Mon espoir est que tu accomplisses tes études le plus rapidement possible et reviennes au pays pour m'aider. Yubin, surveillé depuis son retour d'exil parisien, désormais mari, père et assailli de problèmes financiers, était désormais moins libre pour agir comme militant politique. 1927, naissance de Georges. Cette année-là, en Chine, les nationalistes du Kuomintang et les communistes se réunissent pour combattre les seigneurs de la guerre et réunifier le pays. Mais à l'issue de cette bataille victorieuse, Chiang Kai-shek tire un trait sur les promesses sociales des premiers jours et trahit les communistes. Rassurant les puissances coloniales au sujet de leurs privilèges, il reçoit le soutien des milieux d'affaires. Être sympathisant communiste était désormais passible de la peine de mort. Il y eut des milliers d'exécutions. La terreur blanche planait sur le pays. À Shanghai, on décapite en pleine rue. Ou comme le racontera l'écrivain français André Malraux dans La Condition humaine, on jette des communistes vivants dans les chaudières des locomotives. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. L'humiliation perdure. Les concessions internationales, véritable état dans l'état, sont des enclaves occidentales en territoire chinois. Reclus dans leur petit univers protégé, les coloniaux vivent entre eux et jouissent de leurs anciens privilèges garantis par les anciens traités. Ils ont leurs propres lois, leurs écoles, leurs clubs, leurs journaux, et vivent ignorant les coutumes et souffrances du peuple chinois. Rebelle devenu révolutionnaire, Mao Tse-tung est alors convaincu, tel qu'il écrira lui-même, que la révolution n'est pas un dîner de gala. Sa tête est mise à prix pour la somme de 5000 yuan. Il prend le maquis et se réfugie dans les montagnes du Jinghang avec 1 millier de partisans. Monsieur l'administrateur délégué, nous venons de recevoir une demande d'un ingénieur chinois de Liège, M. Yubin, nous priant de bien vouloir le recommander auprès de vous afin d'obtenir une place de stagiaire appointé. Il vient de terminer à l'Institut Polytechnique. J'ai l'impression que la politique l'intéresse vivement. Il me paraît assez éveillé et pourrait faire quelque chose de bon. 13 septembre 1930. Messieurs, depuis plusieurs mois, je suis à la recherche d'un emploi convenable. Par suite de la crise qui sévit en ce moment dans l'industrie, et poussée par la faim et la charge de famille car j'ai un fils de 3 ans, je suis obligé de travailler à n'importe quoi pour gagner 3,5 francs à l'heure et nous sommes menacés d'être chassés de l'habitation car il y a 3 mois que je n'ai pas payé mon loyer. En grande difficulté,
Yubin dépendait du comité interuniversitaire sino-belge. Celui-ci veillait à la bonne utilisation des bourses qu'il investissait, un peu pour le bien des étudiants chinois, beaucoup pour celui des entreprises belges agissant en Chine. Il suivait également avec attention les rapports en tout genre émis par la police. Yubin a bien fini l'école polytechnique. Très apprécié à son logement où il habite depuis 2 ans. A une vie très rangée. Ne sort jamais après 9h du soir. Ne reçoit jamais de camarades chez lui. Il est très ombrageux, vite froissé. Il paraît ne pas avoir beaucoup d'argent, mais il ne le dit jamais. Mis sous pression permanente et sollicité par son père lui-même en difficulté, Yubin se résout la mort dans l'âme à quitter son épouse Lambertine pour rentrer en Chine avec son fils Georges qu'il désire présenter à sa famille. La date de mon départ est fixée le jour où j'aurai le visa de l'Union soviétique. Sachez pour l'établissement des documents de voyage que je voyagerai en 3e classe. Voici le nom de mon fils. Georges Armand Yu, né à Liège le 17 décembre 1927. Mais préoccupé par les dangers que pouvait connaître son fils dans une Chine explosive, c'est sans Georges que mon grand-père décide de rentrer dans son pays d'origine. À Shanghai d'abord, puis à Nankin, où il retrouve son père et sa famille. Comme beaucoup de jeunes étudiants chinois fraîchement rentrés au pays, il a du mal à trouver du travail à la hauteur de ses études. En Chine, ces étudiants formés en Occident sont un peu considérés comme des étrangers peu au fait des réalités du pays. Il exercera différents petits métiers, secrétaire, employé, agent de police, fonctionnaire, mais ne parviendra que provisoirement à mettre en pratique ses études d'ingénieur. La guerre se répand comme une traînée de poudre. Le peu de nouvelles que mon grand-père put alors donner à cette époque le fut par ces quelques lettres qui étaient parvenues à traverser les tourments de la Chine alors en pleine convulsion. Nankin, 15 février 1934. Mon très cher fils aimé, je viens de recevoir ta première lettre. Je suis très content que tu aies grandi. J'espère que tu deviendras un grand et haut personnage plus tard. Tâche de bien apprendre le français et l'anglais d'abord. Et de toujours aimer ta maman. Je ferai tout mon possible pour faire ton éducation. Meilleurs souhaits de ton cher papa. Mon père n'eut désormais d'autre lien avec son propre père que par de rares correspondances. Parfois, un peu d'argent réussissait à venir de Chine et aider Georges et Lambertine, sa maman, à vivre un peu mieux qu'à l'ordinaire. En 1934, Yubin a 31 ans. À près de 600 km au sud de chez lui, quelques centaines de révolutionnaires déguenillés sont devenus plusieurs dizaines de milliers. Ils sont devenus l'armée rouge. Traqués par les troupes du généralissime Chiang Kai-shek, celle-ci entame une longue retraite stratégique. C'est la fameuse Longue Marche. Près de 130 000 hommes, femmes, vieillards et enfants commencent une route longue de 12 000 km à travers le pays. Harcelés par la mitraille, les bombes et la faim. Cela durera plus d'un an. Seuls 30 000 d'entre eux échapperont à la mort. Mais la légende est née, qui forgera plus tard, accompagnée par mon père, mon imaginaire d'enfant et celui de tant de peuples à travers le monde. En 1937, année chargée, année terrible, en Asie comme en Europe. L'armée japonaise envahit la Chine, la ville de Shanghai est dévastée. Puis elle marche la capitale d'alors.
En décembre, a lieu ce que l'histoire retiendra sous le nom de viol de Nankin. Mon arrière-grand-père, sa femme, mes grands-oncles et tantes fuient la ville avant l'arrivée des troupes nippones et échappent de peu au massacre. Yubin, fils aîné, reste à Nankin où il veut protéger la maison familiale. Installé dans la ville, l'armée japonaise tue, viole, dévaste. C'est l'un des plus grands crimes de guerre jamais perpétrés contre une population civile. 300 000 victimes au cours des trois premiers mois de l'occupation japonaise. C'est à cette date, peu après le terrible viol de Nankin auquel ma famille a échappé de justesse, qu'une des sœurs de Yubin, Yushudan, quitte le giron familial pour participer à la lutte anti-japonaise. Deuxième petite sœur de Yubin, de 13 ans sa cadette, elle est née en 1916. Après des études au collège, elle envisage de faire des études universitaires lorsque les Japonais envahissent la Chine. Elle y renonce, commence à s'investir dans des spectacles militants, puis rejoint l'armée rouge où il rencontre son futur mari. Et presque au même moment, afin de mettre à l'épreuve ses convictions politiques, le jeune frère de Yubin, Yu Erchang, choisit pour sa part de se rendre à Yan'an, dans le nord de la Chine, là où vient de se terminer la longue marche et où Mao Tse-tung poursuit la lutte révolutionnaire. Mais il y est pourtant victime d'une terrible méprise. Connu pour avoir effectué ses études au Japon, il est pris pour un espion et vit 7 ans de dure captivité dans une prison de l'armée rouge. Il ne doit sa libération en 1945 qu'à l'intervention de son père, Yu Huandong, qui, respecté pour son vieil engagement républicain, gagne la confiance des autorités révolutionnaires. Mon grand-père était rentré depuis 4 ans en Chine quand il fit parvenir à ma grand-mère ainsi qu'à mon père un message les avertissant du passage prochain, en Belgique et à Liège en particulier, d'un cousin de Chine. Dans une lettre qu'il adresse à ses enfants dans les années 80, Georges se souvient. Vers 1937, j'avais 10 ans et mon père était en Chine. Un jour, dans une de ses lettres, il avertit ma mère du passage en Belgique de son cousin Yu Pin, évêque de Nankin. Il précisait aussi qu'au travers des chancelleries, il avait fait prendre des dispositions pour que ma mère ait connaissance officiellement de cette visite à Liège, afin de resserrer des liens de famille. Ainsi, en 1937, Yu Pin, et non Yubin, prêtre devenu évêque de Nankin, vint leur rendre visite. Il venait de rencontrer le généralissime Chiang Kai-shek, chef du Kuomintang, dont il s'était fait un ami proche. Et celui-ci venait de l'envoyer en Europe afin de sensibiliser l'Occident à la cause chinoise en dénonçant l'agression japonaise. Honoré par l'invitation, ma mère s'y prépara avec bonheur et dévotion pour son mari, pour la Chine. Le grand jour eut lieu dans l'église du Saint-Sacrement à Liège. L'église était pleine de fidèles ou de curieux. Curé, bonne sœur, officiel, chorale, tapis rouge et plantes vertes, rien ne manquait à la magnificence. Après la messe, un curé, l'abbé Bolland, est venu me chercher pour être présenté à Yu Pin. Parvenu à lui, oubliant tous les usages, je lui ai sauté au cou pour l'embrasser, suscitant ainsi dans l'église des rumeurs en sens divers. Aussitôt, un curé, faisant office de garde du corps, me rappelait au bon usage. J'ai fait la génuflexion et me suis contenté de poser mes lèvres sur la main gantée et ornée d'une bague que l'honorable invité tendait vers moi. Celui-ci voulut bien me faire grâce d'un beau sourire onctueux. C'était un bel homme en tout cas, tout comme mon papa, pensais-je alors.
Le lendemain, tu sais pas si comme avant. La querelle sino-japonaise s'aggravait et la Chine de mon père subissait la terreur de l'occupant. Mais après avoir enquêté, j'ai compris que Mgr Yupin, ordonné cardinal en 1969, n'était pas un membre de notre tribu. En dépit de son appellation de cousin par mon grand-père, très attentif à l'époque à ne manquer aucune occasion pour entretenir des liens avec sa femme et son fils malheureusement séparé de lui. Mais il est évident que le prélat était bien le symptôme d'une Chine alors déchirée entre émancipation et soumission à l'ordre occidental. Les soubresauts de la guerre, ainsi que le hasard de la vie, nous avaient mis en sa présence. Au moment où l'évêque Yupin se trouvait à Liège, Yubin, mon grand-père, était toujours à Nankin ravagé, où il vivait au hasard de petits emplois. La guerre devient mondiale. En Belgique occupée, Lambertine, séparée de fait par mon grand-père depuis des années, a compris qu'elle ne reverrait plus jamais son mari et refait sa vie avec Léonard, ouvrier ardoisier liégeois. Un petit garçon prénommé Eugène naîtra de cette union. Georges, pour sa part, s'investit dans la résistance en décembre 1943. Vers la fin de la guerre, un V2 tombe sur la maison familiale. Tout le monde en réchappe, mais les dégâts sont importants. Et une lettre, une seule, écrite par Yubin à son fils, subsistera. ...50 millions de morts. Puis l'Allemagne capitule. Le nazisme s'écroule enfin. Et le courrier entre Chine et Belgique, interrompu pendant la guerre, entre Yubin rentré définitivement dans son pays d'origine, Georges et Lambertine, reprend peu de temps après. Il y a quelques années seulement, mon père me montrait la correspondance de son propre père. Des dizaines et des dizaines de lettres allaient ainsi me permettre de comprendre, de ressentir l'esprit, le cœur de mon grand-père. À travers elles, je les revisitais une part d'histoire de Chine, celle qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Shanghai, le 15 mai 1946. Mon très cher Georges, au moment où on signalait la victoire, le niveau de vie avait fort baissé. On a cru que la vie serait normale comme avant la guerre. Mais un mois après, la vie augmentait de jour en jour à une vitesse incroyable. Tu as un grand-père de 70 ans, une grand-mère de 68 ans et trois tantes. La tante de 45 ans est professeure dans une école moyenne, non mariée, et accompagne toujours tes grands-parents. La seconde est communiste. Fait de la propagande politique dans le nord de la Chine. Et la troisième vient de sortir de l'université et deviendra médecin. Avec volonté et courage, mon cher Georges, sois un homme du monde. Fais non seulement le bonheur de toi-même, mais aussi celui de ta mère, celui de ton beau-père et celui d'Eugène, ton demi-frère. Il faut aussi faire le bonheur humain et se souvenir que beaucoup de grands savants sont nés dans des familles pauvres. Dis à ta mère qu'elle soit heureuse. Écris-moi toujours. Baiser de ton papa, Yupin. 7 janvier 1948. Voilà la nouvelle année. Je souhaite que tout le monde ait une bonne santé et que tu fasses de grands progrès dans ton métier. Je te félicite pour ton 20e anniversaire. J'ai appris l'acupuncture et je peux guérir beaucoup de maladies en piquant certaines parties avec une simple aiguille. Sans autre remède, avec un succès immédiat. La valeur du billet baisse de jour en jour et le prix moyen de marchandises a encore augmenté de 14 000 fois. Je gagne plus de 2 millions de dollars par mois, mais cela ne vaut que 7 dollars américains d'avant la guerre. Je crois que dans quelques mois, l'économie gouvernementale sera tombée. À Nankin, on ne nous permet pas de parler politique.
et on est mis dans l'ignorance des mouvements d'opposition. Mon très cher Georges, les choses progressent toujours. Il n'existe rien de parfait en ce monde. Une chose parfaite autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Il faut donc renouveler sans cesse ta manière de penser. J'espère que tu réfléchis bien à mes paroles. Nankin, le 7 mars. Le temps passe vraiment vite. Je voudrais tant t'embrasser. Est-il un jour où tu viendras dans mes bras? Que fais-tu ce mois-ci? Le gouvernement nationaliste a perdu récemment presque toute la Mandchourie, tandis qu'au sud, les communistes encerclent Hankou et pénètrent sur toutes les campagnes de province alentour. En tout cas, que ce soit en Chine ou en Europe, il n'existe que la question de la lutte des classes. La guerre entre les nations ne peut résoudre aucune question. Il y a longtemps que je n'ai pas voulu rappeler le passé douloureux que ta mère et toi avaient subi pendant la guerre. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu me racontes en détail ce que vous avez vécu depuis 1937. À la prochaine fois, mon cher fils. Ton père affectueux. À cette époque, l'Europe connaît les prémices de la guerre froide. En Asie, le Japon, déjà vaincu, a été terrassé par deux bombes atomiques américaines. 300 000 morts. Les USA se sont imposés en cette partie du monde. En Chine, libérés des troupes japonaises par la résistance chinoise, les nationalistes de Chiang Kai-shek, aidés par les États-Unis, ont rompu leur alliance avec les communistes et se sont retournés contre l'armée rouge. La guerre civile a repris de plus belle. Le 1er décembre 1948. La situation est très très grave aujourd'hui. Les institutions s'écroulent et les gens s'enfuient comme des fous. 5 décembre. Les troupes communistes occupent presque toutes les provinces du nord de la Chine. Elles se trouvent actuellement en face de Nankin. On croit que dans 2 ou 4 semaines, il y aura de grands changements. Écris-moi, écris-moi. 18 juillet 1949. Mon très cher Georges, la Chine est toujours en état de guerre. Je suis suspendu de mes fonctions et j'entrerai bientôt dans une école pour apprendre le communisme pendant quelques mois. Ne t'étonne pas si tu reçois moins souvent de mes nouvelles. Par contre, j'espère que tu m'en enverras le plus souvent possible. Mon très cher petit-fils Georges, je montre souvent, fièrement, vos lettres et vos photographies à mes amis. Vous devez vous rappeler que vous êtes un descendant de la famille Yu du comté Hanshou de la province du Hunan de la République de Chine. J'aurais aimé que vous obteniez un diplôme scientifique d'une université et que vous reveniez en Chine pour servir notre pays. Malheureusement, la plupart des richesses de notre famille a été détruite pendant une guerre de 8 années et nous a rendus incapables de parrainer vos études en Europe. Je m'en suis senti fort désolé. J'espère que vous aurez des relations avec la communauté chinoise de Belgique, au sein de laquelle je désire que vous rencontriez une jeune fille chinoise à marier. Meilleurs vœux, votre grand-père, Yu Huandong. Premier octobre 1949. Abandonné par ses alliés occidentaux, Chiang Kai-shek a fui la Chine et s'est réfugié sur l'île de Taïwan. Mao Tse-tung proclame la naissance de la République populaire de Chine, place Tiananmen devant 300 000 personnes. Le peuple chinois est maintenant debout. Il ne sera jamais plus esclave, déclare-t-il devant une foule exaltée. Taïwan,
Tous les espoirs sont désormais permis, et mon grand-père regarde puis accompagne la naissance de la Chine nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Première novembre 1949. George, mon cher neveu, j'ai appris beaucoup sur toi par mon grand frère, ton père. La République populaire de la Chine est officiellement fondée. Le gouvernement central du peuple est déjà mis en place. Son dirigeant, Mao Zedong, a été élu président du gouvernement. Et quand cette nouvelle s'est répandue à travers la Chine, tout le monde est devenu fou de la joie et a célébré la nouvelle vie. J'espère que tu apprendras le plus possible chinois et les écrits de Mao Zedong. Salutations révolutionnaires, ta tante Yu Shudan. Cette même année 1949, inquiété par l'émergence de pays socialistes à travers le monde, le pape Pie XII excommunie les communistes. Et Georges, le fils de Yubin, quitte Liège pour Paris, où il s'investit dans le théâtre et le cinéma. Désargenté, il fréquente alors beaucoup de vernissages et de soirées à la mode afin de se garantir, au moins, le repas du soir. La Chine est alors plongée dans une vaste réforme agraire. On répartit les terres de manière équitable, l'économie redémarre et l'avenir est prometteur. Mon très cher fils, l'Union soviétique nous aide à construire 141 grandes industries lourdes et le tout sera achevé en 1959. En ce moment, la Chine devient un pays industriel et social. Je souhaite tous les soirs que ta mère soit guérie. Comment se porte-t-elle? Sa maladie est probablement un trouble du cœur. Et voici le traitement. Piquez avec les aiguilles les points suivants. Premier point, le point Qingkan. Il est situé sur la face antérieure et supérieure de l'abdomen. Deuxième, le point Chenmen, situé sur la face antérieure de la main. Si, après avoir placé les aiguilles, elle est sue et que son visage et ses lèvres deviennent pâles, ne crains rien et laisse-la se reposer au lit. Au revoir, mon très cher fils. Je t'embrasse affectueusement. Yubin, tout entier investi dans la médecine, devient un acupuncteur respecté à Changsha. Il soigne les riches et il soigne les pauvres, gratuitement. Il met en pratique sa formation d'ingénieur, mêle l'acupuncture aux techniques électriques et se fait le traducteur d'ouvrages scientifiques français. Mon très cher fils Georges, depuis la victoire des communistes il y a 3 ans, l'économie de la Chine s'est fort développée. L'ordre social est aussi maintenant bien établi. C'est vraiment incroyable. Il y a trop de choses à te raconter. En un mot, je crois que le régime est 100 fois mieux que celui de l'époque de Chiang Kai-shek. C'est la collectivisation des terres dans le cadre des coopératives. On planifie l'économie, on nationalise plus encore le commerce et l'industrie qui se développent tambour battant. La révolution chinoise est en train de prendre une autre tournure. Changsha, 4 mars 1954. La reconstruction nationale, industrielle ou agricole avance à une vitesse formidable. Nous avons plein d'espoir au sujet du Parti communiste. Je te félicite pour ton 26e anniversaire. Que fait-elle la jeune fille qui vit avec toi?
C'est très bien si elle exerce la même profession que toi. J'espère aussi que vous vous marierez. Au revoir, mon très cher fils. Je t'embrasse très affectueusement. À cette époque, mon père habitait toujours à Paris. Il vivait de son métier de comédien au théâtre ou au cinéma. Les cinéastes communistes Joris Ivens ou Paul Carpita faisaient partie de ses fréquentations familières. Il vivait ainsi dans un monde de culture que nourrissait alors un fort espoir d'émancipation populaire internationale. Départ pour un voyage autour du monde. La fête de l'humanité est la fête de l'amitié des peuples. On pense aux moissons de là-bas, aux moissons de la paix. À la Grande République de Chine. Au Vietnam héroïque. À toutes les démocraties populaires. Il était devenu militant au Parti communiste français, participait au Rassemblement pour la jeunesse, à Moscou, à Berlin, à Bucarest, et allait faire sa vie avec Fanny, bientôt sa femme. Nous autres peuples noirs, nous autres peuples coloniaux qui aspirons à une vie humaine, savons que ce programme soi-disant hardi et neuf de M. Truman, de cette invasion de l'Afrique par M. Stettinus et ses trusts qui disposent de milliards de dollars, peuvent seulement signifier une nouvelle forme d'esclavage. Changsha, 2 avril 1954. Mes très chers Georges et Fanny, moi et tous les membres de la famille ont la grande joie d'apprendre que vous vous marierez le 22 du mois. Il est bien dommage que je ne puisse pas venir assister à la cérémonie. Je ne peux que vous souhaiter un amour éternel. Je souhaite que vous alliez de l'avant pour établir une société idéale et juste. Le Parti communiste donne aux gens confiance en eux-mêmes, du courage et de la sagesse. La vision de ma jeunesse devient de plus en plus réelle. Notre Mao Zedong se porte très bien. Même s'il mourait un jour, son affaire continuerait pour toujours parce que son affaire est l'affaire du peuple. Mes chers enfants, créer le bonheur du peuple, c'est le moyen d'obtenir votre propre bonheur. Je vous embrasse, mes chers enfants. Paris, 22 mars 1955. Chers camarades, mon nom est Yu Georges Armand. Je suis fils de Yu Bin, docteur acupuncteur, à Changsha. J'ai perdu la nationalité chinoise pendant la guerre mondiale. Depuis 1946, je travaille à Paris et en 1954, j'ai épousé une citoyenne belge. Nous désirons aller vivre dans le pays de mon père, dans la grande Chine populaire, et ce désir nous est presque comme un devoir parce que nous sommes communistes. Voilà pourquoi nous demandons respectueusement à la République populaire de Chine de bien vouloir nous considérer comme ses enfants. Mes chers Georges et Fanny, je m'oppose absolument à votre idée de venir travailler ici. La langue chinoise est très difficile pour vous. La vie, les mœurs ne vous conviendront pas. La Chine n'a pas besoin de vous deux. Mais l'Europe a besoin de votre jeunesse pour reconstruire une société encore plus belle, encore plus idéale. Ma chère tante, comme tu le sais, je désire chaque année un peu plus faire la connaissance de toute ma famille chinoise.
En plus du grand désir de connaître mon père et les siens, nous avons l'intention d'aller vivre et travailler en Chine. Mon père m'écrit souvent que la vie en Chine est très différente de celle d'Europe. Nous savons que la Chine a de grandes difficultés. Nous savons que le bonheur est difficile à bâtir. Nos conditions d'existence ici aussi sont très dures. Et comme nous sommes de vrais communistes, nous n'avons pas peur de l'effort. Nous souhaitons que vienne bientôt le jour où nous pourrons enfin te connaître. Nous tâcherons d'être dignes de toi, de mon père et de tous les patriotes chinois qui préparent le socialisme. Mes chers Georges et Fanny, je suis très heureux d'apprendre que je serai grand-père au mois d'octobre ou novembre. C'est bien dommage qu'il soit aussi difficile de vous envoyer des cadeaux. La vie d'ici n'est pas confortable pour les Européens. Pour cette raison, je ne veux pas du tout que vous et l'enfant fassiez un long séjour ici. Croyez-moi, je vous en prie une fois de plus. Croyez-moi, croyez-moi. Je ne peux pas vous en dire plus. Changsha, 28 novembre 1955. Mes très chers enfants, j'ai bien reçu vos lettres du 29 octobre. J'ai grand plaisir d'apprendre que Maxime est venu au monde et que Fanny a une bonne santé. Le 5 juin 1956. Mes très chers enfants, l'autocritique est la plus puissante arme du Parti communiste. En Chine, non seulement les partisans communistes, mais tous les ouvriers et employés doivent apprendre la politique et l'autocritique. Je suis encore loin d'être un bon communiste. Sur le journal, on apprend que les réactionnaires sont battus en Hongrie. En même temps, la France et l'Angleterre envahissent l'Égypte. Le siège du Parti communiste français et son journal sont brûlés par les contre-révolutionnaires. Que faites-vous? Vous portez-vous bien? Le petit va-t-il bien? Votre père affectueux. République populaire de Chine, 1957. C'est le mouvement dit des sans-fleurs. Que sans-fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent, est le slogan du jour. Sur fond de rivalité interne, le Parti communiste chinois s'ouvre à la critique intellectuelle, suscite le débat et reçoit en retour une contestation aussi forte qu'imprévue. Dénonciation de la bureaucratie, dénonciation des abandons des promesses de la révolution, une véritable tempête. La répression est sévère. Beaucoup de petits intellectuels ou cadres locaux sont notés comme droitiers. Des centaines de milliers de personnes sont persécutées, condamnées à l'exil intérieur ou envoyées en camp de rééducation par le travail. Mais cette réalité prendra du temps pour émerger. Dans une lettre du mois de février, Yubin évoque Joris Ivens, grand cinéaste, documentariste, ami de la Chine et ami de Georges. À ce moment-là, Joris est à Pékin où il prépare un nouveau film. Mais il a reçu, avant de quitter Paris, mission de remettre un colis à la famille. 12 février 1957. Joris Ivens n'a pas pu venir à Changsha pour me voir. Je n'ai donc pas pu lui remettre un petit pantalon bleu pour Maxime. Ma santé et mon moral sont très bons. Je travaille en m'associant à quelques médecins chinois, toujours dans l'acupuncture. Depuis que j'ai inventé la méthode du diagnostic électrique, notre gouvernement s'y est fort intéressé. Maxime viendra-t-il un jour en Chine pour étudier la médecine chinoise? Il faut d'abord bien apprendre la langue. Et ton film documentaire à propos de Liège, cette ville que j'ai tant aimée, sera-t-il projeté en Belgique, en Europe?
venant du sud, Liège se présente comme le cœur et l'ornement d'une longue vallée industrielle dont les techniques déterminent depuis plus d'un millénaire son visage mouvant. Novembre 1957. Georges tente de nouer avec son père, plus directement encore. Après s'être adressé à Joris Ivens, c'est Pierre Prévert, alors présent en Chine pour la réalisation du cerf-volant du bout du monde, qu'il sollicite à son tour après avoir écrit à Chou Enlai, premier ministre de la Chine populaire et ancien étudiant militant dans la France des années 20. Très cher ami Pierre Prévert, la semaine dernière, dans l'UMA, paraissait une photo du camarade Chou attablé avec la môme de votre film. Aussi, pouvez-vous contacter personnellement Chou Enlai et le prévenir qu'une missive lui parviendra bientôt de ma part concernant mon père? En deux mots, voilà de quoi il s'agit. Mon père, acupuncteur, est en Chine depuis 1930. Depuis lors, je ne l'ai jamais revu, sauf en photo et au travers de lettres que nous échangeons. Or, se présente une occasion inespérée pour moi de le revoir à Paris. Cette année, en effet, aura lieu le 9e congrès international d'acupuncture et le tout est de savoir s'il sera jugé scientifiquement digne d'être élu délégué, et ça, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il a un avantage certain. Il connaît bien le français pour avoir vécu 12 ans en France et en Belgique, et il a un fils et un petit-fils précisément dans le pays où va se tenir ce fameux congrès. Ah bon sang, vite, des Sputniks pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de barrière entre les peuples. Je vous souhaite une belle moisson et je dis avec vous, vive la Chine populaire, vive l'amitié entre les peuples. Cette lettre ne fut jamais suivie du moindre effet. Les espoirs de Georges furent déçus. Oh, 1958. La Chine veut rattraper la Grande-Bretagne en l'espace de 15 ans. Mao lance alors le grand bond en avant et mobilise le peuple chinois. Les paysans participent à de pharaoniques chantiers collectifs ou à de vastes plans d'irrigation. En hommage à la Commune de Paris, le pouvoir crée les communes populaires et accélère la collectivisation de la vie sociale qui doit ouvrir la voie au communisme, à l'abondance pour tous et à la paix universelle. L'utopie est chatoyante et toucha bien plus tard l'enfant que j'allais être, fasciné par la Chine. Juin 1958. La Chine avance à une vitesse formidable. Elle progresse de jour en jour. Votre grand-père est très content de voir les photos du petit Maxime. Comment allez-vous? Et vos parents? Et le petit? Moi, je me porte bien. Au revoir, chers enfants. 1959. La Chine fête les 10 ans de la Révolution. On y fait des fêtes grandioses sur une place Tiananmen réaménagée, agrandie pour l'occasion. Mais à l'automne 1960, la réalité éclate. La campagne du Grand Bond, malmenée et guidée sur fond de rivalité politique acérée, aboutit à un fiasco. On dénombre entre 20 et 40 millions de morts, victimes de la famine. À cette époque pourtant, le fils de Yu Bin, comme tant d'autres, ignore ce qui se passe réellement en Chine. Cette année 1959, Georges tient le petit rôle de Chapuis dans Le déjeuner sur l'herbe du cinéaste Jean Renoir, depuis longtemps compagnon de route du Parti communiste français. Mais les lettres de Yu Bin à son fils laissent poindre une tonalité nouvelle. Mes très chers Georges et Fanny, je ne sais pas pourquoi je suis paresseux pour vous écrire. Du point de vue santé, je crois que je vivrai encore quelques années. Rien de changé dans notre famille. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Votre père affectueux. Aucune importance. Je n'ai un coup de moto, je suis au village et je vous ramène un taxi. Il est un peu tôt pour rentrer. Il y a l'autobus. 10 avril 1961. Bien que nous soyons éloignés de milliers de kilomètres, mon cœur est toujours fort attaché à vous.
Excusez-moi de ne pas vous avoir écrit plus souvent. C'est parce que nous sommes dans une situation compliquée. Il est difficile de vous la raconter en un mot. Qu'avez-vous entendu au sujet de la Chine? Avez-vous lu les journaux? Aurez-vous l'occasion de venir me voir une fois? Est-il possible d'envoyer Maxime en Chine un jour pour apprendre la médecine chinoise? La même année, la reine Elisabeth de Belgique visite la Chine et rencontre Mao Tse-tung. Ce faisant, elle bouscule les bien-pensants de la diplomatie occidentale et reconnaît de fait la grande Chine populaire comme nation parmi les autres nations. Mais décidément, l'histoire est équivoque. Sans être plus précis dans ses lettres, mon grand-père laisse transparaître une réelle inquiétude. Quelque chose se passe en Chine. Mes très chers enfants, écrivez-moi plus souvent concernant vos vies et ne parlez pas de politique. La situation n'est pas normale. Je souhaite que vous ne vous occupiez que de vos métiers, mais pas d'autre chose. Meilleurs souhaits à vous, votre père affectueux. La reine Elisabeth et sa suite ont visité le musée de la Révolution chinoise. Plus de 3600 documents et objets sont ici exposés. Le premier ministre Zhou Enlai a reçu la reine Elisabeth et sa suite. Mes chers enfants, il y a des paroles que je ne peux pas vous écrire ici. Vous ne pouvez pas imaginer notre vie. Embrassez le petit Maxime pour moi. Dites-lui que j'ai eu le plus grand plaisir de lire sa petite lettre. Je vous dis surtout à ta mère, Georges. Le bonheur ne dépend pas de l'accumulation des richesses. Le bonheur, comme les autres choses, est relatif. Consolez votre mère avec ces paroles. Au cours de la réception où règne une atmosphère d'amitié et de cordialité, les hôtes et les invités ont tous souhaité ardemment de voir se renforcer encore davantage les liens d'amitié entre les peuples chinois et belges. Changsha, le 21 janvier 1962. Mes très chers Georges et Fanny, vous ne pouvez pas imaginer la réalité. Non, mes chers enfants, ne participez pas à n'importe quel mouvement. Et cela afin d'éviter le danger. J'ai acheté deux morceaux de broderie, mais comme l'employé de la poste m'a dit qu'il n'était pas certain qu'ils vous parviennent, je ne vous les ai pas encore envoyés. Nos santé? Oui, pour moi personnellement, cela va assez bien. Au revoir, chers enfants. Votre père affectueux. En 1962, prend fin le grand bond en avant, mené par de dangereux apprentis sorciers. Je naissais peu de temps après, suivi 16 mois plus tard par ma sœur Véronique. Donc, tu fais une tarte sans toi. Je te demande que ça fait beau pour sortir. Elle est belle, maman, hein? Maintenant qu'on n'a plus de temps. De février 1963. Ma très chère tante, nous te remercions infiniment pour ta gentille lettre et nous sommes très heureux des bonnes nouvelles que tu nous donnes au sujet de notre famille, excepté de mon père bien-aimé. En effet, je ne peux pas croire que ses occupations puissent l'empêcher de nous écrire. Même un petit mot. Nous espérons qu'il est en bonne santé. En très bonne santé. Dis-moi franchement ce qui se passe. Dis-lui que nous l'aimons comme si nous avions toujours vécu auprès de lui et que nous entretenons nos enfants dans le respect et l'amour de notre famille en Chine. Sachez que les milliers de kilomètres qui nous séparent ainsi que le temps qui passe ne nous empêchent pas d'être extrêmement proches de vous tous. Où est mon père ?
octobre 1964, c'est le 15e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et notre grande patrie, avec ses paysages merveilleux, est baignée par un beau soleil. La Chine n'est plus un pays semi-colonial plongé dans les ténèbres, ni une sphère d'influence impérialiste, mais une grande puissance socialiste indépendante. La pensée de Mao Tse-tung brille du plus pur éclat, illuminant l'avenir de notre révolution. Le flambeau de la pensée de Mao Tse-tung se transmettra toujours de main en main et de génération en génération. Cher Georges, grand-père et moi sommes très contents d'avoir tes nouvelles. Nous nous réjouissons de ce que tu nous racontes au sujet des trois petits qui grandissent en beauté et en santé. Les dirigeants accélèrent les réformes intellectuelles. Ton père, n'ayant pas voulu apprendre à suivre le courant, a commis quelques erreurs. Depuis février 1962, il participe à deux travaux obligatoires en vue de se réformer. Il se porte bien et fait beaucoup de progrès du point de vue de la pensée. Il rejoindra bientôt le Front populaire. Vous ne devez pas avoir d'inquiétude à son sujet. Cher président Mao, c'est toi qui éclaires notre esprit révolutionnaire. C'est toi qui nous conduis de victoire en victoire. C'est toi qui nous apprends à comprendre combien fier doit être un Chinois. 7 juillet 1965. Cher Georges et Fanny, le grand-père te donnait un nom, c'est Xinyou. Le nom de ton fils aîné, Ren Shou. Celui du second, Ren Ai. Celui de ta fille, Ren Xin. Ton père est en train de rectifier la pensée par le travail. Pour le moment, il ne peut pas correspondre avec vous. Très chère tante, nous sommes en bonne santé. Nous soumettons un heureux anniversaire à mon grand-père bien-aimé et en même temps nous envoyons nos vœux chaleureux pour l'année nouvelle à vous, à mon père et à vous tous, ainsi qu'à la grande Chine révolutionnaire. Je vois souvent des camarades diplomates de l'ambassade à Paris. Ce sont des gens très gentils et très intelligents, parlant fort bien le français. Il faut demander à mon père qu'il nous écrive. Pourquoi ne veut-il pas écrire? Répondez-moi franchement. Dites-lui que notre cœur est plein d'amour, de compréhension pour lui. Embrassez-le affectueusement pour nous. 7 juillet 1965. Chers Georges et Fanny, depuis 3-4 ans, je garde le silence sous les dalles de votre père, de peur que cela n'influence votre travail. Maintenant, je dois vous mettre au courant. En 1962, quand notre pays subissait des calamités naturelles, il répandait de fausses rumeurs et attaquait violemment notre parti. Celui-ci éprouvait le besoin de faire respecter la loi et de consolider la démocratie guidée par le peuple. C'est pourquoi le tribunal a prononcé sa détention et une peine de travaux forcés. Ce qu'a fait le gouvernement à son sujet est tout à fait juste. C'est guérir la maladie afin de sauver la vie. Yu Shuyun, la première sœur de Yu Bin, la première tante de mon père, est morte peu après la rédaction de cette lettre. Lettre inquiétante, lettre ambiguë. Comment ici, comme ailleurs en d'autres courriers, interpréter les réalités de l'histoire, les réalités d'une personne. Comment pouvait-elle parler ainsi de mon grand-père, de son propre frère? Mais quel choix pouvait-elle faire? Mon arrière-grand-père Yu Huandong, républicain de la première heure, mourut à la même époque, et les autres oncles et tantes vivaient désormais en d'autres villes éloignées du pays. Les liens entre les deux parties de la famille était désormais rompu. « 2 janvier 1969. Mon père chéri, je n'ai plus de nouvelles de toi. Tu sais que j'ai déménagé. J'habite maintenant en Belgique, à Liège. Il faut que tu saches que Fanny, ma femme bien-aimée,
est morte dans un accident. Je suis encore fort triste de la perte de ma femme et nos enfants parlent souvent d'elle car nous l'aimions beaucoup. Dans la maison où j'habite à Liège, je vis avec mes trois enfants et avec maman et son second mari. Ainsi, les enfants sont dans de bonnes mains. Que deviens-tu? Si c'est possible, écris-moi ou demande à quelqu'un de m'écrire, même en chinois. Avant de terminer, je te présente mes vœux affectueux pour l'année nouvelle. Cette lettre ne reçut jamais de réponse, et peut-être se perdit-elle quelque part en Chine. Et puis nous ne le savions pas encore, et ne l'apprendrions que bien plus tard. Mais en dépit de son adhésion à la révolution chinoise, Yu Bin n'avait pu cacher ses sentiments et avait, lors du grand bond en avant, dénoncé le cruel aveuglement des dirigeants. Au printemps 1962, il est arrêté. Après un jugement expéditif, il est condamné à 15 ans de camp de rééducation, puis envoyé dans une ferme du comté de Chaling, à 60 km de Changsha. Et Yu Bin, comme tant de ses compatriotes, finit par se suicider dans ce camp de travail. J'avais alors 7 ans. Jusqu'au bout, il aura gardé une certaine réserve, une certaine pudeur. Jusqu'à la fin, ses lettres auront mêlé conseils paternels affectueux et conseils de santé pour sa première épouse, Lambertine, voire pour Fanny, ma propre mère, ainsi que pour Maxime, son petit-fils. Au tournant des années 70, la Chine, encore en pleine convulsion, connaissait la révolution culturelle. En 1972, Nixon se rendait à Pékin et le premier ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique venait nous rendre visite dans notre maison familiale. En 1976, Mao disparaît. Une page de l'histoire mondiale se tourne. Et en 1982, Deng Xiaoping lance la construction du socialisme à la chinoise. En l'espace de 21 ans, plus rien n'était parvenu de Chine au fils de Yu Bin. Le silence régnait. Puis un jour, eut lieu quelque chose de singulier. La troisième sœur de Yu Bin, Yu Shu-wen, et son mari, Ma Tai, tous deux médecins, sont en voyage professionnel en Europe et font notamment escale à Paris où ils espèrent retrouver les traces de leur neveu. Il place dans le journal français L'Humanité du jeudi 16 avril 1987 une petite annonce.
Trois mois plus tard, George se rend en Chine pour la première fois de sa vie. Pour la réalisation d'un documentaire, il accompagne le fameux train Bruxelles-Pékin qui mène en Chine 300 jeunes Belges partis à l'aventure. Mais dépourvu du moindre contact, il n'y rencontre évidemment personne. Pourtant, à son retour en Belgique, un miracle a lieu. On lui apprend le passage récent, à Bruxelles, d'une tante, d'un oncle qui, à tout hasard, ont pris soin de laisser une adresse de contact. Et le renouement a lieu cette année-là. Peu après le décès de Lambertine, la mère de Georges et la première femme de Gubine. Mon très cher neveu George, pendant 5 ans, nous t'avons recherché, mais nous n'avons pu obtenir la moindre information. Soudainement, je reçois ta lettre. Je pensais que je dois te dire la vérité. Ton père a été condamné en 1962 à 15 ans de prison comme contre-révolutionnaire. Et cela parce qu'il avait dit qu'il y a eu des gens qui étaient morts de faim pendant le grand bond en avant. Et ce qu'il y disait était pourtant vrai. Mais c'était l'époque où les ultra-gauchistes étaient au pouvoir. En 1982, après la deuxième session du comité central du Parti communiste chinois, nous avons demandé qu'un nouveau jugement soit prononcé. Et c'est ainsi qu'il était réhabilité et innocenté. Tu dois être heureux maintenant. De retour en Chine, ton père est resté fidèle à ta mère. Après la guerre sino-japonaise, comme il avait perdu l'espoir de vous revoir, il remaria et eut un fils en 1945, qui travaille maintenant comme cadre à Changsha. Très cher frère, votre portrait actuel ressemble tellement à celui de notre père. Vous lui ressemblez beaucoup. Quand j'étais enfant, notre père me disait « Tu as encore un grand frère, mais il vit dans un pays lointain. » Je me souviens, à cette époque, j'avais 8 ans. Je voyais souvent mon père, des yeux fixés sur ta photo, avec les larmes aux yeux. Et celui-ci avait un grand souhait, c'est que nous puissions correspondre un jour tous les deux. Notre père nous a quittés il y a 20 ans déjà. Je pense à lui très souvent. En février 2014, Yu Shuwen, la dernière sœur vivante de Yubine, disparaissait à l'âge de 93 ans. 6 ans après le décès de sa sœur aînée, Yu Shudan, résistante, révolutionnaire de la première heure et enterrée en communiste sincère et respectée.
enfant de n'importe où, si tu trouves cet oiseau, regarde-le bien. Parce que les enfants de partout, ils ont toujours rêvé qu'un jour, ils iraient ailleurs.